sera très difficile à vous, monsieur le juge, de contrer ce que je viens de dire. Monsieur le maire est d'accord avec moi. Donc, si vous voulez, et alors aussi, il y a un autre problème. Monsieur le juge, c'est que dans ce cadre-là, Saint-Pansard s'est érigé, n'est-ce pas, de manière à ce que nous ayons mis Anglette avec vous. Je ne sais pas où elle est, elle est parmi nous. C'est une fille magnifique, n'est-ce pas ? Mais Saint-Pansard voudrait qu'il y ait cette fameuse parité homme et femme que tout le monde exige aujourd'hui. Donc si nous avons mis Anglette, nous devrions avoir aussi une Miss Boy Anglette. Une Miss Boy. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah ouais, je vous écoute, maître. Je vous écoute. Allez, au fait, continuez. Alors, pour ce qui est donc de ces binômes qui sont absents à Anglette, on peut faire confiance à monsieur le maire d'Anglette, n'est-ce pas, pour qu'il arrive lui-même, grâce à ses talents de médiateur, précisément à ce que nous ayons aussi un Miss Boy d'Anglette, comme nous avons une Miss Anglette, n'est-ce pas ? Alors, pour ce qui est de la pauvre, du pauvre livre de la marcheuse dont on a parlé tout à l'heure, monsieur le juge, c'est absolument pas une affaire de Saint-Pansard, c'est plutôt la came crude dont on a parlé tout à l'heure. Tout le monde, je pense, connaît la came crude ici, n'est-ce pas ? C'est une tradition gasconne qui concerne évidemment un être maléfique pourvu d'un œil au genou. Et lorsque vous regardez cet œil au genou, vous tomberez de mort. Je ne vous souhaite pas, bien sûr, de maître, le rencontrer. Maître, je vous rappelle, vous êtes un peu brogue. Allez, vite, vite, dépêchez-vous. Mais, monsieur le juge, oui. Je termine en vous remerciant d'avoir bien voulu écouter ma plaidoirie et en souhaitant, n'est-ce pas, que Saint-Pansard, ce brave garçon qui a tant rendu service à Anglette, soit aujourd'hui, n'est-ce pas, recouvre sa liberté. N'est-ce pas. On peut lui donner aussi une onction, n'est-ce pas, on peut aller chercher le curé d'Anglette, je ne sais pas s'il est là. Non, il n'y a pas M. Curé, absent aujourd'hui, il n'y a pas M. Curé aujourd'hui. Il n'aura pas l'extrême onction. Bon. Monsieur l'avocat de la Défense, votre plaidoirie est bien émouvante, vous m'avez même tiré l'arme. Citoyen anglois, je mesure d'année en année, le cas de Saint-Pansard s'aggrave. C'est un récidiviste. Il est temps de procéder au vote populaire. Peuple anglais, je t'invite à te prononcer. La liberté ou le bûcher ? Que demandes-tu pour ce trust ou ne sens pas de ça ? Le bûcher, il est installé sur la plage. Bien que notre ami ait demandé les sacrements, il ne les obtiendra pas. Le juge gendarme, nous allons accompagner cet individu vers le lieu de la sentence. Accompagnez le prisonnier, s'il vous plaît, et que tout le monde nous suive. Cherchez aussi.